Était une fois, dans un petit village douillet, un groupe d'amis animaux. J'y avais Benny le lapin, Tommy la tortue et la petite souris Molly. Ils adoraient jouer ensemble, quel que soit le temps. Un jour de pluie, ils décidèrent de jouer chez Molly. Ils s'amusaient beaucoup à jouer à cache-cache. Benny comptait, pendant que Tommy et Molly se précipitaient pour trouver des cachettes. Alors que Tommy cherchait un endroit où se cacher, il heurta accidentellement un vase qui se brisa en morceaux. Entendant le bruit, Molly et Benny accoururent. « Oh non ! Le vase préféré de ma maman !» s'écria Molly, les larmes aux yeux. « Elle va être tellement en colère contre nous !» Sous le coup de la peur, elle s'en prit à Tommy. « Pourquoi es-tu si maladroit, Tommy ?» Tu gâches toujours tout. Tommy se sentit blessé et coupable, mais il savait que Molly avait simplement peur. Je suis désolée, Molly. Je ne voulais pas le casser, dit-il, les larmes aux yeux. Molly, réalisant qu'elle avait été trop dure, dit : Je suis désolée, Tommy. Je n'aurais pas dû crier sur toi comme ça. J'étais juste effrayée et je ne savais pas quoi faire. Tommy, montrant son grand cœur, répondit « Ce n'est pas grave, Molly. Je comprends que tu étais effrayée. Essayons simplement de réparer le vase ensemble. » Benny, voulant aider, suggéra « Essayons de réparer le vase avant que la maman de Molly ne rentre à la maison. Peut-être qu'elle ne remarquera même pas qu'il était cassé. » Les trois amis travaillèrent ensemble, ramassant soigneusement les morceaux cassés et utilisant de la colle pour remettre le vase en état. Alors qu'ils venaient de finir, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. C'était la maman de Molly. Molly, toujours effrayée, décida de cacher le vase derrière quelques livres sur l'étagère. Elle ne voulait pas que sa maman le voie et se mette en colère. Lorsque sa maman entra dans la pièce, elle demanda « Vous vous êtes bien amusés à jouer aujourd'hui, les enfants ?» Avant que quelqu'un puisse répondre, le vase vacilla sur l'étagère et tomba à nouveau par terre, se brisant en morceaux. La maman de Molly s'écria « Mon vase préféré !» « Que s'est-il passé ?» Molly hésita, puis dit courageusement « C'était un accident, maman !» Tommy a heurté le vase accidentellement pendant que nous jouions. Nous avons essayé de le réparer, mais nous n'avons pas pu le faire parfaitement. Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé tout de suite. Sa maman regarda les trois amis, puis sourit doucement. Les accidents arrivent, et je comprends que vous étiez effrayés. Il est important d'être honnête et d'assumer les conséquences. J'apprécie que vous me disiez la vérité maintenant. La prochaine fois, soyez plus prudent et dites-moi immédiatement si quelque chose se passe. » Molly, Benny et Tommy acquiescèrent, soulagés que sa maman ne soit pas en colère. Sa maman dit alors « Je suis fière de vous pour avoir assumé votre erreur. Pour vous montrer que l'honnêteté est toujours la meilleure politique, j'ai une petite surprise pour vous. » Elle alla dans la cuisine et revint avec une assiette de délicieux gâteaux au chocolat et une carafe de lait glacé. Les gâteaux au chocolat étaient moelleux et riches, avec des couches de glaçage au chocolat velouté qui leur mettaient l'eau à la bouche. Le lait glacé était le complément parfait, rafraîchissant et crémeux. « Waouh ! Merci maman !» s'écria Molly, les yeux brillants de joie. Benny et Tommy se joignirent à elle. Merci, Madame Souris. En savourant les délicieux gâteaux au chocolat et le lait glacé, les trois amis comprirent l'importance de l'honnêteté, d'affronter les conséquences et que les accidents peuvent arriver à tout le monde. Ils firent aussi l'expérience de la chaleur, de la compréhension et du pardon, ce qui renforça leur amitié. Ensemble, ils promirent d'être plus prudents et honnêtes à l'avenir, chérissant le goût sucré de l'honnêteté et de la gentillesse.